Ronce-moi le méchant. Ronce-moi le ladder si tu peux. Ronce-moi le ladder s'il te plaît. Pense-moi à faire un truc cool après. Quand on a fini, tu me dis qu'il faut que tu fasses un truc cool. Ok, pense-moi. Pense-moi. Ouais. Hop, je te pense. Bref. Là, on fait quoi? On fait des scrys? Je me marre parce que j'aime pas trop cette carte et du coup, quand elle est pas bonne, je me gosse. Alors qu'en vrai, c'est une bonne carte, hein, mais je me gosse de son inutilité dans certains match-up, tu vois. Moi, j'aime pas son look au mur. On dirait c'est vraiment un mur. On dirait une personne enfermée dans un tonneau qui a juste la tête qui se bat. Une personne très grande. Genre, c'est même pas un mur, c'est un bâtiment en fait. Ouais. Parce que des fois, c'est des murs, genre. Imagé, tu vois, c'est non, là une c'est vraiment. Grande personne enfermée dans un bâtiment. Des vacances en Grèce, une petite POV au drone, sympa. Et voilà. Sauf qu'il y a une totée qui sort, et tu sais pas pourquoi. Je veux dire, on a enfermé une personne de grande taille dans un bâtiment, mais on a laissé juste un espace pour que la personne mais puisse elle voir est contente. Ce qui se passe dehors, quoi. C'est elle sourit. Eh ouais, je vois ça. C'est peut-être elle qui. Il est en train de concilier. Qui voulait être enfermée. Je crois pas. Je pense que est-ce que tu peux t'auto-séquestrer? C'est pas possible. Bah non, séquestrer. Faut avoir une force mentale pour s'auto-séquestrer. Tu vois ce que je veux dire? Bah, je crois que séquestrer, c'est contre ta volonté. Donc, déjà, si tu veux, c'est pas possible. Ok. On est pas si mal. 4 cartes. 4 cartes. 4 cartes, Yugi. Nous, on a 26. Il a pioché, hein, quand même. Il a pas mal pioché. Yes! Yes! Putain! Oh, j'étais dans Olive et Tom, gros. Avec le commentateur. Oh, le mangas, quoi. Valentin se dirige vers le but ennemi! Quelle passe incroyable! Je sais que la terre est ronde depuis Olivier Tom d'ailleurs. Voilà, à préciser. Ou depuis la chanson d'Orelsan. Incroyable, c'est vrai? J'ai pas. Au fond, je crois que la terre est ronde. Ah, d'accord, oui, ok, j'ai. C'est un putain d'upgrade. Voilà, et en plus, c'est vraiment juste un meilleur effet. C'est pas la carte est différente. Donc, ça prend le deck et ça le monte en niveau, quoi. C'est ça. On a pimpé ton deck. T'adores le patin à glace, t'inquiète, on a mis une patinoire dans ton coffre. Voilà, et en plus avec des réacteurs. Comme ça, tu peux vraiment faire des loopings comme ça. Comme ça, tu peux aller avec ta voiture, on a mis des patins à ta voiture, gros. Voilà, donc tu peux faire de la patinoire dans ta voiture pendant que ta voiture fait du patin. Patinoireception. Incroyable. Les joueurs d'historique savaient pas trop quel était le meilleur deck depuis le ban d'Oko, tu vois, les gens sont du père. Il fallait faire un tuto. Père Castor, comment faire pour gagner dans la méta? Mais je vais te montrer. Torgar Token. Exactement. Torgar Token, Rid Didetsugo. Ah, il faut cœur en fait. Je me suis dit, si ma petit frère de bande là, tout de suite, commence à lui taquiner un petit peu la belette. Tu lui taquines la belette? Ouais. Tu sais qu'il faut demander la permission pour taquiner la belette des gens, PL. Ah, c'est ça la belette? Bah, je sais pas, mais. Ah, c'est peut-être ça la belette. C'est comme ce Pingel Mayhem, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que ce. Ou là, tu vois, c'est forcément. Tu peux te faucon la Jani, ça a marché quoi. Ah, j'allais dire, je joue à Jani, mais pas du tout. C'est vrai que tu te faucon la Jani et tout de suite les mecs se disent ah, c'est dégueulasse, tu vois. Alors que non. Par contre, comment ça me pète tes couilles quoi. Tu peux. Tac, 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 tac. Tu peux utiliser une forge. Un coup de forge, ouais. C'est relou quand même. T'as mis l'autre forge ou pas? Non, t'en as qu'une. Et il me l'a tué la première. Ah ouais? Bah oui, il a fait Montodonte. Ah, j'ai pas vu. Si, il l'avait. Je regardais pas. Ah, il l'avait, hein. Ah ouais, il l'avait. Je regardais juste pas. En vrai, ça coûte combien, Guine, là? Ça coûte 2. 2? Ah, alors ça vaut pas le coup, du coup. Vas-y, fais un petit plus 2 du Guine. Plus 1 du Guine, pardon. Est-ce que ça fait mélanger le deck de faire moins 2? Je crois pas. Non. Par contre, non, ça mais tu peux aller chercher un truc. Vas-y, va chercher un mélanger le deck. Va chercher un coca. Attention, hein, parce qu'on a qu'un sablier, faut aller vite. J'y vais, du coup. Un truc qui fait mélanger notre deck. Le sac en fond. Ça se fait looter. On peut jouer à Citadelle aussi. Hein. Ouais, mais t'as plus de mana du coup. Et 18 points de vie, je sais pas si tu vas les tenir. Hein. Vas-y, ça que s'enfonce, c'est plus safe. Coûte rien. Ça, tu utilisais 1, 2. Ah non, ça coûtait moins. Merde, mais ouais. Je suis con. J'ai mal. J'ai oublié que c'est un artefact. Ok. Moi, bon, je vais quand même utiliser ça que s'enfonce là. Par contre, on a trouvé tous nos Ugin quand même. De fausse du guine. Fausse, ouais. Oui, ça va dans le sac. Au courant. De toute façon, en vrai, je vois pas comment il revient de ça. Hein. Bah, si tu fais rien. Enfin, il y a un moment, on va juste avoir tes raids, quoi. Ouais. Hop là, le petit scry, hein. Ouais, vas-y.
Oh, ça fait keep plaisir. On top. Oui. Oui, Talendais monsieur. Ou pas? T'as pas l'endé sourcil en plus. De toute façon, on peut craquer aussi les... Ouais. Ça, ajoute à l'enterre en gratuit. Les Géodes. Quoique... Ouais, on a tout ça encore. Il aurait fallu le garder si jamais t'avais une Sally on top, mais bon. Ouais. Ouais, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6... On part loin, là. Là, on se s'attelle, là. Là, je me rejoins... Je rejoins le moi de Terminal. Ouais. Ah, je crois que le jeu a planté. Mais non. Mais non. Oh, horrible. Mais non, pas maintenant. Mais horrible. Mais on va se reco, t'inquiète pas. Ah, j'espère. Bah oui, c'est sûr. Nous on s'en fout, on fait Clotis sans réponse. On s'en fout grave. Et on va lui prendre, on va faire RP de l'an froid, trigger. Allez, ça dégage. Il est là. On mettait beaucoup plus. On mettait 2000. Écoute, là on va le sauce quoi. On précise encore une fois que c'est le pire match-up de Simic là. Hein, ce qu'on le pire. Le pire, tu peux pas prendre pire que Monored. C'est-à-dire que nous on commence à jouer les trucs au tour 5, lui au tour 1 il nous a déjà mis à 19. Ah, je suis chaud, on va le défoncer là. Ah ouais. Putain, et si c'est pas lui, ce sera le mec d'après. Hein. Je te dis, on mange pas ce midi. J'ai faim. On ne mange pas, gros. Et j'aurais faim. J'aurais quand même faim. Moi aussi, j'ai une salade de pommes de terre qui m'attend. Oh, moi, j'ai des petites nouilles avec de l'huile d'olive, goût citron, persil. C'est dingue. C'est dingue ça, par contre. On y gagne, je peux pas. Parfait. C'est une blague ? Elle est parfaite cette main, gros. Et château et forêt. Ouais. Oui, ça va le faire. Ah bah il y a 28 landes, c'est normal. On demande des terrains, nous. Saussons un saucé. Ouais. Parce que le saucé ne sait pas encore qu'il est saucé. Non, il pense être sauceur. Exactement. Mais tout sauceur est saucé un jour, sachez-le. Ça dépend du sauceur. Hein. Il y a de rares sauceurs professionnels qui restent juste sauceurs. Ouais, mais ils se font saucer un jour. Forcément. Ouais. NABB 519. Pour être un bon sauceur, faut avoir été un bon saucé. Ouais. Ah, mais c'est bien ça. Hein. Ah, bah complètement. C'est bien dit ça. Tu sens en vrai, faut faire la course. Hein. Bah non, mais on met 6 aussi. Toi, tu vois Usain Bolt à côté de toi, tu dis, bon, de toute façon, j'ai qu'un choix, faire la course. Bah en vrai, oui. Sur un malentendu, il se casse la cheville. Mais t'auras plus de chances de battre Usain Bolt en courant qu'en restant assis. Hein. Ouais, comment mais. Tu peux te dire, peut-être que j'ai une arme à ma disposition pour le blesser, tu vois. Ouais, mais... Plus un, hein. Ouais. On va juste faire une armée de bloc. Ah, si une 2-3 le bloque, 2-2-3 le bloque mieux. 2-2-3 le bloque. Tu vois à quoi ça ressemble, d'ailleurs, les créatures. Cauchemar, très stylé. Ouais, c'est assez joli, espèce ouais. Espèce de monstre. Par contre, pourquoi il se touche le sexe avant de mourir? Il est en train de dire un truc. Attends, fais voir, clique droit dessus. Ouais, on dirait genre, hey, je vous paye. Et il monte comme ça. Manger jusqu'à extinction, sort de gestion ultra polyvalent qui permet, qui a l'upgrade, de pouvoir regarder, on peut regarder la carte dessus, la mettre dans le cimetière, ça permet d'aller chercher encore une fois la combo. Putain, il a des dents sur la lèvre, il est dégueulasse lui. Mais il a des dents à la place des yeux, sur le nez, dans sa main. Ouais, j'avoue. Il en a partout. Mais du coup, il a pas de lèvres. Enfin, genre, à l'intérieur de sa bouche, il n'y a pas de dents, elles sont sur les lèvres. Ouais, mais je crois qu'en fait, il est fait dedans. Putain, j'aimerais être une star du YouTube Game, tu vois, et je serais comme ça, et je dis montage, et. Et tu vois, il y a un monteur et il m'incruste plein de dents sur ma lèvre. Je vais pas le faire. Mais je sais. Mais c'est pour ça que je dis. J'aurais pu. Ouais, qu'on soit Squeezie, tu vois. Ouais, effectivement. Mais. Ouais, en plus, ça fait créature. Bon, on va s'aider contre ce mec et on va essayer de retaguer contre lui. En fait, faudrait. Ajoute-le en ami, gros. Ajoute-le en ami. Gros, comment ça, tu peux pas? On peut. On a son pseudo. Mais on a pas son numéro. C'est ça qu'il faut. Au hasard. Au hasard. 52-87. Et parce qu'il faut qu'il accepte en plus. Ça veut dire que tu peux pas ajouter des gens que tu connais pas. C'est fou ça. Ouais. Ah, tu peux pas avoir le numéro de Brad Pitt, c'est dingue. Déjà, il joue pas Magic Arena. On sait pas. Je déjà, pense qu'il joue pas. Mais tu sais pas. Mais moi, je vois ses films voilà, régulièrement. Et je peux te dire qu'il n'y a pas de Magic qui traîne. Par contre, il y en avait dans Zombieland. Et ouais. Tu crois que Jesse Eisenberg joue à Magic? C'est l'acteur? Hmm. Putain, je sais pas. quitte, hey, lui il est en train de faire ses quêtes sur ma tête, moi ça me plaît pas du tout ça. Allez, Demios là. Fin de tour, tu reprends ta fée. Ouais, oh, ouais les bêtes, c'est pour ça que je les trouve un peu naze dans le match-up. À moins que tu commences, que tu sois en mode beat d'honneur ou quoi. Tu peux pas faire sans. Je sais pas. Tu peux pas faire sans ta fée. Si. Je l'ai pas. C'est une ville. Ah d'accord. Santa Fe. Santa Fe, d'accord. Je connais Santa Cruz. Ouais, c'est une ville aussi. Val, j'en ai marre.
Attendez, je fais des grimaces. Attendez, bougez pas, je fais quelques grimaces et après on revient. Non, qu'est-ce qu'on fait là? Quel est le play? À quel point on lui donne dans sa vrasse? Parce que il y a un moment, il faut qu'il vrasse, tu vois. Faut qu'elle soit passée, cette vrasse. Sinon, il y a une autre option. Moi, je connais le troisième play. Hein. Là, c'est la concession. On peut concéder aussi. Vas-y, concède. Vas-y. J'ai pas envie de réfléchir. Je veux juste le tecla, lui. Je veux faire une sortie d'idiot, tu vois. Tu vois la sortie d'idiot ou pas? Ah, bébé, bébé. Tu veux faire ça? Exactement. Ah, bébé, bébé. 9, 10, 11, 12, 13. Ah, en tout, ouais. Bah, beaucoup plus en fait, on 16, fait 16 mana. Et 4. On fait 21 mana. 21 mana. Donc là, on peut prendre tout son board. Mais oh, tout, ça va vite. Hein. Mais vraiment, mais tout. C'est quoi tes bêtes là? Tiens, je les vole. Si tu peux les faire plus gros, s'il te plaît, vas-y. Buff les bien, toutes là. N'hésite pas. Et avec le mana carré, je fais ça, je pioche une carte sur championne. Gros toi, mon c'est gros. Le meilleur deck. Kaka, tu vas prendre pour tous les autres. Il s'appelle Kaka. Ça t'apprendra à Kaka. Ah là là, ça c'est la game de trop, mais pour notre adversaire. Comme disait Chabest, je vais mettre le nez dans son caca. Ah, oh, j'adore. En faisant comme ça là. Je vais mettre le nez dans son caca. Arrête de jouer des cartes, tu m'énerves, Kaka. Vraiment là, c'est juste perte de temps.